Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Anthony Jouet. Donc on va regarder ensemble et tester la toute nouvelle chaîne YouTube Kids qui est apparue récemment dans l'App Store il y a moins d'une semaine. Voilà, on va regarder que fait donc cette nouvelle chaîne ou cette nouvelle appli de YouTube pour les enfants. Pour tester la nouvelle application YouTube Kids lancée depuis peu par Google pour à destination des enfants. Donc on télécharge l'appli sur l'App Store comme d'habitude avec YouTube Kids et puis l'icône est sympathique comme vous pouvez le voir avec le logo de YouTube mais avec un petit bonhomme souriant avec de petits yeux souriants. C'est parti. Alors, la nouvelle application YouTube Kids se présente comme ceci avec des petites icônes bien visibles en haut, comme vous pouvez le voir, avec les recommandations pour commencer, donc qui sont liées à ce que vous avez déjà vu ou votre enfant. Donc, on a un petit moteur de recherche en haut à droite ici avec la loupe. Alors, c'est un paramètre qu'on peut supprimer, c'est-à-dire qu'on peut décider que notre enfant, bah, il n'aura pas accès à cette loupe et à ce moteur de recherche, et après on a les différentes vidéos qui apparaissent en format plus grand et plus intuitif que sur la chaîne YouTube, enfin que l'appli YouTube classique, je dirais. Voilà. Donc ensuite, après les recommandations qui sont liées à ce qu'on regarde d'habitude, là on a la chaîne YouTube Anthony Jouet que vous connaissez maintenant, avec un test et Monsieur et Madame Patate qu'on avait vu il y a quelque temps. Voilà. Assez sympathique d'ailleurs. Je vous invite à aller regarder parce que c'est très drôle. C'est sympa. Ensuite, donc, on a le volet émission avec des émissions spécifiques. Ici, on a les lapins crétins, on a de la musique. On a des tests sur Anthony Jouet avec les figurines Marvel. Ensuite, on a la musique. On peut aller voir un petit bout de clip. Qu'on peut regarder. Ensuite, on a pour apprendre des extraits aussi qu'on peut regarder avec les amis ou tout seul, mais en tout cas sur des chaînes plutôt bien filtrées et dédiées aux enfants. Voilà. Ensuite, le dernier volet, c'est découvrir pour plus découvrir des nouvelles chaînes comme ici, C'est pas sorcier avec une émission spéciale dauphin. Voilà. Donc l'application est bien réussie et répond bien aux besoins de pouvoir vérifier ce que nos enfants regardent ou ce qu'on regarde quand on est enfant. Voilà, donc je vous invite à télécharger, à tester. Elle est gratuite et disponible sur l'App Store. Voilà, je vous remercie pour avoir visualisé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Anthony Jouet. À très bientôt.